à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin dans un instant avec Kader Achirou. Nous aurons droit à la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une de l'actualité ce matin, nous avons la 6e mandature de la Cour constitutionnelle avec à la une l'installation des 7 nouveaux membres de cette Cour constitutionnelle l'installation qui a été effectuée hier à travers une cérémonie solennelle en présence du président de la République, chef de la magistrature suprême, en présence de tous les présidents des institutions de la République et en présence de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou. Outre cela, à l'actualité ce matin, nous avons les succès de la campagne cotonnière 2017-2018 et nous avons également les mutations à la douane béninoise. Dans le bulletin matinal d'information, nous reviendrons sur les images de l'installation des sages de la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons également dans le débat avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Les sports, donc la rubrique sport sera présentée ce matin par Larios Adiagbenon, comme tous les matins d'ailleurs. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le Béninois Libéré qui titre en manchette ce matin consigne tacite de Patrice Talon qui reconduit certains hommes de Yaï à des postes clés de l'administration. Un paternalisme qui fâche les enfants de la maison. Rupture. Toujours avec le Béninois Libéré, prouesse de la campagne cotonnière 2017-2018. Talon efface Boni Yaï des records. Nous passons au quotidien Matin Libre. Gestion du programme Aqua Vie pour une agence nationale. Comment le gouvernement abuse des mairies de la décentralisation centrale. Réalisé sous Patrice Talon, titre Le Canard, en manchette, toujours avec le quotidien Matin Libre. Élection du président de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, la fumée blanche attendue ce jour. La dépêche polémique autour d'une nouvelle loi votée par les députés à l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Mitokwe passe le code pénal à la loupe. Le vote du code pénal est une tricherie, un complot contre le peuple, dit-il. Toujours avec la dépêche, installation de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, Michel Adjaka dénonce dans les colonnes du journal la violation de la loi organique de l'institution. Info plus, adoption de la loi 2018-15 portant code pénal par les députés de l'Assemblée nationale. Horizon sombre pour le payeur, des peines de prison allant de 3 mois à 3 ans pour les contrevenants. Toujours avec Info plus, scélérose anachronique et sans ambition, le renouvellement profond du gotha politique national s'impose, redorer le blason de l'activité politique. L'autre défi que doit relever Patrice Talon, estime le confrère de Info Plus, les quatre vérités. 6e mandature de la haute juridiction, les nouveaux membres de la Cour ont prêté officiellement serment hier. Talon les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de mieux faire. Nous passons au quotidien Point Média. Félicitations de Patrice Talon à Théodore Olon. Reconnaissance sincère aux fleurs fanées. Diogbenou et ses collègues ont prêté serment alors que le professeur Théodore Olon est arrivé au terme de son mandat à la tête de la Cour constitutionnelle et rendait son tablier. Nous passons au quotidien Le Caribou qui était en manchette ce matin. 7e journée de formation aux gestes de premier secours dans les collines. Les Béninois de la diaspora soutiennent l'initiative de la Fondation Konrab Gbagidi. Le Grand Matin, 6e Cour constitutionnelle, les nouveaux membres officiellement installés, un signal fort pour la poursuite des réformes du président Patrice Talon, estime le confrère du quotidien Le Grand Matin, 3e gouvernement du président Patrice Talon, les deux nouveaux ministres officiellement installés, titre Le Canard, en deuxième titre à la une, le matinal, élection à la Cour constitutionnelle après Olo. Trois points d'interrogation, titre le canal cherche à savoir, après Théodore Olo, qui prendra les rênes de la Cour constitutionnelle, toujours avec le défi d'une génération, campagne cotonnière 2017-2018, grand succès pour Patrice Talon. L'Afrique en marge, présidence de la République, Patrice Talon dépouille Agba Mbata pour habiller Eulalie Adiovi. Pourtant, le chef de l'État n'est pas trop branché, genre. Nous passons au quotidien La Relève, drôle de mutation à la douane béninoise, la brigade des douanes Cotonou port définitivement dans les mains de la mafia, estime le confrère. Palmarès, Cour constitutionnelle, 6e mandature, entre jugeote, sagesse et technicité, les Béninois inquiets aspirent à une cour sans complaisance. Dernier dossier nuitamment évacué de l'Assemblée nationale par l'ancien garde des Sceaux, le code pénal, premier test pour Joseph Diogbenou, juge et parti, les regards tournés vers la Cour pour contrôle de constitutionnalité. La tribune, Cour constitutionnelle, les défis de la transparence d'une institution en panne de crédibilité. La Nation, Cour constitutionnelle, les sept nouveaux sages prêtent serment, entretien exclusif du président sortant Théodore Olo, des personnalités apprécient la route
du audition dans les colonnes du journal aux pages 8, 9 et 10. Toujours avec la Nation, Conseil des ministres, l'Agence nationale d'identification des personnes créées, à lire dans les colonnes du journal l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous revenons au quotidien matinal pour finir ce matin. Achèvement du chantier de l'hôpital zone de Savet, le gouvernement décaisse plus d'un milliard de francs CFA. Merci à vous, Kader Achirou. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Vous avez également les quotidiens en ligne. Le vote du code pénal, une tricherie. D'après donc le député Guimi Tokpe de la minorité parlementaire, nous ferons donc le débat sur cela. Est-ce que Guimi Tokpe n'aurait pas dû se taire? Nous y reviendrons donc dans un instant. Et puis en sport, nous parlerons donc de la compétition foot tournoi de la solidarité 2018. Donc les matchs ont démarré hier au stade René Pleven de Cotonou avec les matchs du groupe B. Les petits poussés du groupe JSP Asvo ont tenu tête donc aux favoris Aspa et Soleil FC. Nous y reviendrons dans un instant. Nous passons au bulletin national d'information au débat sur Free Matin. Le tour donc de l'actualité nationale. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Nous sommes également Kader Achirou, vous êtes toujours sur le plateau. Nous allons commencer à parler donc de l'installation des sages de la Cour constitutionnelle. Oui, Nadège, les 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle de la 6e mandature ont été installés hier. Ils ont prêté serment devant le président de la République, chef de la magistrature suprême, en présence des présidents des institutions de la République et en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut noter qu'en dehors de ces personnalités qui ont été citées, il y a également la présence remarquable de l'ancien président de la Cour constitutionnelle en la personne de Robert Dossou. Chers amis internautes, je vous invite à suivre le compte rendu de cette cérémonie solennelle. Cette cérémonie est une exigence de la loi organique de la Cour constitutionnelle qui, en son article 7, fait obligation aux nouveaux membres de l'institution de prêter serment avant leur entrée en fonction. Les 7 nouveaux membres de cette institution de la République sont désormais Joseph Ifame Djogbenou, Razak Amouda, Mustapha Fassassi, Rigobert Azon, Sylvain Nouati, Cécile Dedravo, épouse Zizi Nohoué et André Katari. Ces derniers sont rentrés officiellement dans leurs fonctions ce jour, mercredi 6 juin 2018, conformément au test de la République par une cérémonie de prestation de serment devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale en présence du président de la République, chef de la magistrature suprême, des présidents des institutions de la République et de plusieurs personnalités politiques influentes dans l'arène politique béninoise. À l'occasion, le secrétaire général du gouvernement a donné lecture à l'assistance du contenu du serment. Revenir justement. De bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Moi, Razaki Amouda Issifou, je le jure. Moi, Rigobert Adoumenou Azon, je le jure. Moi, Joseph Djogbenou, je le jure. Moi, Cécile Marie-Josée Dedravo, épouse Zizilokwe, je le jure. Moi, André Katari, je le jure. Moi, Fassassi Mustapha, je le jure. Moi, Sylvain Messanouati, je le jure. Sans transition, le président de la République a reçu les serments, puis place à une ambiance de vives émotions, d'accolades et d'échanges confidentiels. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à vos fonctions, à vos qualités respective de membres de la Cour constitutionnelle. Poignée de main assez forte pour remercier et féliciter donc ces nouveaux sages de la Cour constitutionnelle qui viennent donc ainsi de prêter serment, qui sont appelés à faire respecter donc la loi dans notre pays. Après le chef de l'État, ce sera le tour du président de l'Assemblée nationale. Sourire, salutations, Joseph Djogbenou et le président de la République et quelques mots.
qu'ils s'échangent entre eux. Selon les dispositions de la loi organique de la Cour constitutionnelle, les nouveaux membres de la haute juridiction devront procéder en leur sein à l'élection du président de l'institution. Il est élu par ses pairs pour une durée de 5 ans parmi les magistrats et juristes membres de la haute juridiction. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants. Ensuite, suivra l'élection du vice-président qui exige moins de contraintes que le poste de président. Pour ce dernier, un profil n'est pas exigé. Il est ouvert à tous les membres, quel que soit leur profil, magistrat, juriste ou encore personnalité. Il urge de préciser que l'article 8 de la loi organique précise que tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément à la législation en vigueur. Il faut préciser qu'à cette cérémonie, on a noté de chaudes empoignades, car est-ce que Tomé entre le président Théodore Olo qui a déjà fait sa valise, ça c'est sûr maintenant, et donc qui va passer certainement le témoin. On a vu le président Patrice Talon le saluer vraiment très, très chaudement. Le président Patrice Talon a profité de cette occasion pour remercier le président Théodore Olo pour service rendu à la nation, pour avoir régné pendant 5 ans à la tête de la Cour constitutionnelle. Et cet éminent homme de droit, ce professeur de droit constitutionnel, a quand même été pour beaucoup dans la République depuis le début de la démocratie. Et cet homme a marqué de son sceau le ministère de la Justice et la Cour constitutionnelle pendant 10 années, dont 5 à la tête de cette institution. Et donc c'est bien une occasion aujourd'hui pour revenir sur le parcours de cet homme à la tête de cette troisième institution de la République. Théodore Olo est né à Porto Novo, capitale du Dahomey, dans une famille chrétienne du sud du pays, originaire d'Abomey. Il fit à Porto Novo ses études primaires à l'école catholique Saint-Joseph, le secondaire au collège Notre-Dame de Lourdes, puis au lycée Béanzin, où il obtint en 1968 un bac de philosophie. La même année, il s'envole pour Brazzaville dans le but d'entamer des études de droit qui le mèneront successivement à Orléans, puis à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il obtint son doctorat d'État en février 1979. Rentrant en 1985, il est reçu major ex aequo de sa promotion au concours d'agrégation en droit et sciences politiques. Marié, père de 5 enfants, il fut membre du présidium qui a dirigé les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation, ensuite du Haut Conseil de la République, organe législatif durant la transition, et enfin membre de la commission constitutionnelle qui a rédigé la constitution de la République du Bénin en 1990 au lendemain de la Conférence des forces vives de la nation. De 1991 à 1996, il fut successivement ministre des Affaires étrangères, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo, et fut en accord avec l'UNESCO des droits de la personne et de la démocratie à l'Université nationale du Bénin. Le 7 juin 2008, il fut conseiller à la Cour constitutionnelle. Le 25 juin 2009, il a été élu président du 3e mandat de la Haute Cour de justice du Bénin et réélu le 2 juin 2011 pour un deuxième mandat, reconduit par le bureau de l'Assemblée nationale pour un nouveau mandat à la Cour constitutionnelle. Il en a été élu président le 10 juin 2013. Auteur de plusieurs publications, il a reçu plusieurs distinctions. On peut citer entre autres commandeur de l'Ordre national du Bénin en 1991, grand officier de l'Ordre national du mérite français en 1996, grand croix de l'Ordre national du Bénin en 2009. Donc, Carles Kitomé, l'élection aura lieu aujourd'hui. Oui, tout à fait, conformément au test de cette institution, à la loi organique, les choses se font quand même dans un certain délai. Et déjà aujourd'hui, nous allons noter, suivant le chronogramme, nous allons noter aujourd'hui la première séance, la première plénière entre les 7 nouveaux sages qui vont profiter de l'occasion pour élire le président de cette institution. En fait, ils vont mettre en place tout l'organigramme dont le président, on connaîtra aujourd'hui le président de cette nouvelle, de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle, que nous savons que beaucoup de gens l'ont déjà du côté d'un certain ancien ministre Kadhafi Dessou. Mais de toute façon, avant la fin de la journée, on saura de qui il s'agit. Et demain, dès demain, il y aura passation de charge entre le professeur Théodore Olo et son successeur. Tout est allé finalement très vite. Hein. C'est vrai qu'on est resté dans le timing, dans le délai. Rapidement, on a eu le remaniement ministériel, la préparation de service dans la soirée d'avant-hier. Et puis rapidement, les nouveaux sages sont installés. Tout est allé très vite. Tout va très vite dans une certaine solennité, certaine sobriété quand même qui
en fait, qui présage de la célérité avec laquelle on a quand même envie de régler les problèmes de la République. Espérons que tout soit réglé dans le bon sens. Alors Kader Achirou, nous parlons des telenovelas qui occupent énormément donc, les populations, particulièrement les femmes qui sont très intéressées par les feuilletons qui sont diffusés sur nos différentes chaînes de télévision, aussi bien les télévisions publiques que les télévisions privées, donc passent en général à une heure donnée de la journée les feuilletons qui sont très appréciés donc, par nos populations, comme je le disais, par les femmes. Nous avons vu ces telenovelas qui ont créé beaucoup d'incidents dans les foyers. On a même eu des dames qui ont laissé donc, des marmites avec la sauce brûlée sur le feu. Vous avez eu vent de cela, Kader Achirou ? Tout à fait. Il faut reconnaître également, comme vous l'avez noté tout à l'heure à l'entame, que cette telenovelas ou ces feuilletons ont quand même pris le dessus sur le déménage dans certaines familles, à telle enseigne que quand l'heure des feuilletons passe, il n'y a plus rien qui doit siffler, même le train. Et la simple coupure d'électricité est source de malédiction aux agents ayant en charge l'énergie électrique au Bénin. Il faut reconnaître aussi que les telenovelas aussi empêchent les filles de pouvoir faire lecture de leurs cours reçus durant la journée. Et c'est à cet effet que vous avez TV d'ailleurs, pour vous avouer, chers amis internautes, un reportage complet sur la réalité des telenovelas au Bénin. Suivez plutôt. Terre de passion, la chakala, la force du cœur et autres sont omniprésents sur les écrans béninois depuis quelques années. Les femmes en sont les plus grandes consommatrices parce que les sujets abordés touchent parfois à leur quotidien. Il arrive même parfois que les téléspectateurs s'identifient aux héros de ces films. J'aime bien suivre. Et de manière générale, tout le monde aime ça. Mais c'est d'une manière ou d'une autre se cultiver. C'est savoir ce qui se passe loin de chez soi. C'est se cultiver, c'est voir comment les Blancs se comportent chez eux. Bon. Et quand on voit l'acteur des comportements d'un vaillant homme, il peut arriver qu'on veuille faire comme l'acteur là, par exemple. Dans Terre de passion, je me suis mis dans la peau de, comment on l'appelle même, Arturo Gallardo. Et bon, ses actions m'ont tellement plu. Conscient de l'impact grandissant de ces séries sur le public, les diffuseurs et les publicitaires choisissent des tranches horaires bien adaptées. Même si dans ces feuilletons, il y a des leçons de vie, il arrive qu'il y ait des scènes qui portent atteinte à la pudeur avec des conséquences négatives sur les jeunes. Il y a des scènes qui sont véritablement contraires à la culture de chez nous ici. Le Blanc n'a pas... Ça ne gêne pas le Blanc de montrer son intimité, mais par contre chez nous ici, ce n'est pas ça. Personnellement, quand je regarde, je n'ai pas honte, mais quand je suis en famille avec les frères et soeurs, j'ai souvent la honte de regarder, c'est tout. Quand il y a ces trucs-là qui passent, quoi. Les telenovelas ne sont pas acceptées de tous. Pour d'autres, ils transforment certaines jeunes filles au point où elles copient tout ce qu'elles voient à la télé, que cela soit bon ou mauvais. Moi, je ne suis pas fan de la télévision novelas. Il fut un temps où j'ai suivi un feuilleton sur la chaîne. Mais sincèrement, bon, c'est le gâchis de temps, sincèrement. Parce que moi, quand j'ai suivi le feuilleton, j'ai vu que vraiment, il n'y a rien qui éduque dans la scène. Vraiment, il n'y a rien là. Puisque parfois, bon, ils ont tendance à parler de l'amour, souvent de l'amour. Et c'est ça que nos jeunes sœurs ont tendance à regarder ces temps-ci. Et même, elles oublient même leurs origines. Et puis, elles ont tendance à imiter les pays occidentaux. Même s'il est vrai que les feuilletons télénovelas aident à s'ouvrir sur le monde, toutefois, ils représentent aussi des risques de perte d'identité culturelle. Et comme je le disais, les publicitaires n'hésitent pas à mettre donc de la publicité dans cette telenovelas car les cryptomènes pour permettre donc de ils profitent en fait de l'occasion pour faire de la pub. Ben en fait, on a noté que depuis la fin des années 90, les telenovelas venues de l'Amérique du Sud ont envahi nos écrans, nos petits écrans, et les gens ont vite fait de s'y accrocher. Et vu l'affluence, l'audimat que cela crée, les annonceurs ont carrément profiter de l'opportunité parce que c'est rare qu'il y ait autant de personnes devant le petit écran en dehors de quelques rencontres de grandes compétitions sportives. Donc c'est un bon créneau dont profitent tous ceux qui ont envie de faire connaître leurs produits. Et aujourd'hui, c'est devenu un marché très fructueux et cela profite bien à ceux qui font venir ces films-là chez nous.
Merci à vous, Carlos Kitomé, Kader Achon. C'était donc le tour de l'actualité nationale avec vous. Nous allons rester sur le plateau et passer au débat. Le vote du code pénal serait une tricherie, d'après donc Guy Mitokbe. Nous en parlons. Carlos Kitomé, vous avez suivi un tout petit peu l'actualité. Donc, c'est allé également très vite de ce côté-là. Et on attend maintenant la Cour constitutionnelle. Ce sera d'ailleurs le premier test pour le président de cette cour, pour vérifier un peu si tout est allé bien dans ce code-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de Guy Mitokbe? De Guy Mitokbe, je ne me permets pas de mettre un jugement. De toute façon, c'est un élu du peuple qui est dans son rôle, qui essaie de défendre ce qu'il peut défendre et qui essaie de participer quand même à la création, sinon à la formation des lois, parce que les lois sont proposées, les lois viennent et eux, ils sont chargés quand même de proposer des amendements pour que les lois répondent un peu plus, ressemblent un peu plus au peuple qui doit les subir. Eh bien, dans le cas d'espèce, il faut avouer que c'est vrai que nous apprécions la célérité, nous apprécions le pragmatisme de tout ce qui est fait, mais voir un ministre qui, en partance, qui fait voter un code tout de suite, un code qui va échouer devant une juridiction dont il fait déjà partie, c'est qui fait partie de cette juridiction. Je crois qu'en la matière, quelles que soient les récriminations de l'honorable Guy Mitokbe, on peut lui donner raison dans la mesure où c'est le garde des Sceaux qui a fait passer ce code. Le code va revenir sur sa table très très bientôt pour qu'il puisse en juger de la constitutionnalité. Et quand on voit un peu la constitution de la nouvelle Cour constitutionnelle, on sait qu'il fait partie des gens les plus outillés, qui ont vraiment eu la pratique, les professeurs de droit. En fait, il a l'étoffe pour pouvoir vraiment influencer un peu plus les décisions parce qu'il enseigne le droit. Il est tout ce qu'il faut pour influencer, ce qui veut dire qu'il va jouer un rôle important. Surtout que c'est le premier test de la nouvelle Cour, de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle. Son rôle sera prépondérant face à une loi qu'il a fait passer lui-même. Et donc, c'est même un grand test pour lui, parce qu'à partir de la façon dont cette loi sera traitée au niveau de la Cour constitutionnelle, les gens on pourra déjà présager de ce qu'il fera à cette Cour-là pendant les 5 ans qu'il sera là. Et prions Dieu pour que ça se passe dans le bon sens. Parce que si jamais la loi qui passait soulevait encore des remous, ça veut dire qu'on mettra peut-être, on doutera peut-être de toutes les décisions de cette Cour pendant 5 ans, cela n'est pas de bon augure pour la nation béninoise. Kader Achon, j'ai presque envie de dire que Joseph Diogbenou, sage aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, est face à son destin, parce qu'en réalité, s'il rate le coach, tout est vraiment foutu, quoi. Il est face à son destin, je dirais même l'ensemble des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont pris ou ont prêté serment dans un moment où ils sont véritablement marqués à la culotte. En ce qui concerne le code pénal en République du Bénin, il faut noter quand même que l'urgence était quand même unanime de pouvoir procéder quand même à un vote de ce code, parce que celui qu'on en avait, celui qui était en vigueur, était celui qui date de 2001, vous voyez un peu. Donc ça fait des années que ce code a été rangé dans les tiroirs du bureau de l'Assemblée nationale pour des raisons diverses, parce que les uns et les autres étaient impliqués dans certaines affaires fallacieuses ou bien frauduleuses qui peut-être, en touchant ce code, pouvaient par exemple porter entrave ou entorse à leurs activités, n'ont pas voulu qu'on y touche. Maintenant, aujourd'hui, qu'on a quand même à la tête de la nation béninoise un gouvernement qui veut quand même bousculer un peu partout, qui veut quand même essayer de mettre un terme à certaines choses, qui veut décider de chasser des sorcières, parce qu'il y en a véritablement des sorcières dans la République, alors on ne peut pas dire non à cela. On peut peut-être reprocher que cela a été fait de façon sommaire et expéditive à travers, d'une manière où on a comme l'impression que le garde des Sceaux a voulu que, à la finalité ou au bilan, au terme, au soir de son passage au niveau du ministère de la Justice, on puisse dire que c'est au moment du ministre Joseph Diogbenou, au moment du garde des Sceaux Joseph Diogbenou, que le code a été voté à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que c'est quand même logique que, en ce qui concerne les rapports entre le gouvernement et le Parlement, en ce qui concerne les rapports de forces politiques également, que le gouvernement puisse mettre les bouchées doubles pour que sa machine qui est au niveau du Parlement puisse actionner les leviers pour que véritablement ce code soit adopté. Des inquiétudes paraissent au niveau des uns et des autres parce que des amendements n'ont pas été pris en compte. Il n'y a pas que Guy Mitokbe qui a eu à le dire, il y a eu beaucoup d'autres députés de la minorité parlementaire qui ont exprimé leur amertume face à ce code. Mais je pense que
tant qu'il y a quelque chose qui est voté par la majorité et que la minorité se prononce, je pense que pour moi, c'est de la vitalité de la démocratie. On ne peut pas tous voir dans la même vision, dans la même lancée. Mais ce que a eu à dire un député que je n'aimerais pas nommer ici, c'est que c'est quand même vrai qu'au sein du BNP, il y en a qui n'ont même pas lu le document en question, mais qui sont venus juste pour voter et que le test a été adopté avec 15 députés au soir, totalement dans la nuit, autour de 2h30 environ, pour essayer quand même de fatiguer les gens. Et donc, la caporalisation. Les députés étaient fatigués. Oui, parce que quand on vous traîne jusqu'à 2h30, arrivé à un moment donné, vous dites, mais j'ai de la famille, et que le lendemain matin, j'ai encore des occupations, parfois, on finit par laisser. Surtout qu'il n'y a plus de café qui peut être. Il y a toujours du café à l'Assemblée, c'est vrai que c'est pas. Et aujourd'hui, ce qui va fâcher, je pense qu'il faut quand même dire que les vendeurs d'essence frelatée aujourd'hui sont en train d'être exposés. En tout cas, toute personne qui s'y adonne s'expose aux rigueurs de la loi. Et je pense que ceux qui achètent ne sont pas exposés aux rigueurs de la loi. Parce qu'ils peuvent aussi nous dire, si vous allez garer votre voiture, que vous achetez de l'essence frelatée, vous allez payer des amendes. Heureusement que le code n'y a pas pensé. Il faut faire très attention. Quand on vient arrêter quelqu'un qui est en infraction, quand vous êtes avec lui, sachez que vous irez là-bas avec lui d'abord. Vous allez vous asseoir en prison. Mais le code n'a pas prévu que... Non. Il faut qu'on soit collé. Le code n'a pas prévu. Vous savez que les Bénois vont très fuiter. Ils vont dire simplement que la dame et sa sœur, qu'elle lui doit demander qu'il est venu récupérer. Donc le policier ne peut pas savoir s'il est venu acheter l'essence. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un que la police vient chercher, quelle que soit votre position, on vous emmène d'abord. Et s'il a été posé, vous êtes déposé avec lui. C'est après le juge qui décide, sinon qui apprécie. Je peux bien être avec ma soeur en train de prendre ma monnaie. On vous emmène d'abord. Si l'infraction est constituée. Tu vois, ce n'est pas dit dans le code. Et puis respectons le code. Ça peut même pas dire dans le code. Mais c'est la pratique qu'on a dans le code. Est-ce que les stations peuvent contenir toutes les personnes qui veulent la j'espère que la solution viendra. C'est ça que je dis. Le président Talon nous a parlé de fondement dans ce pays, de base. C'est très important. Pourquoi ne pas d'abord avoir les stations, être sûr, être prêt, et puis maintenant dire après, on va voir après. On peut voir après, alors qu'on a besoin d'essence et que nous sommes nombreux, qu'on sait combien on fait au Bénin, il y a eu le recensement, il y a eu le rameau qui est passé par là, et qu'on a besoin d'essence dans le pays. On peut dire qu'il n'y a pas assez de stations, mais il faut noter quand même qu'il y a eu pas mal de stations d'essence qui ont été construites. Et je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait continuer dans cette lancée. La lutte peut commencer de façon. Et puis la lutte va progresser aussi. Donc, en éliminant quelque chose, on le fait forcément remplacer par autre chose. Mais à l'état actuel, c'est difficile, même aux stations, d'être rentable, dans la mesure où tout le monde va de l'autre côté. Et les stations qui s'installent, je me demande même quel chiffre d'affaires elles arrivent à réaliser. Parce que pendant longtemps, ils n'arrivaient pas, C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre qui va se faire entre les deux. Ça coûte vraiment très cher, l'essence à la pompe. Parce que toutes les cartes sont payées par rapport à ça, alors qu'au bord de la voie, les taxes ne sont pas payées. Sur le même salaire, on prend beaucoup de taxes. Je pense que c'est. En ce qui concerne l'essence, la vente de l'essence dit frelatée aujourd'hui, il y a une législation en la matière. Je pense que c'est une bonne chose aussi parce qu'il ne faut pas quand même occulter les victimes qui en partent lorsqu'il y a feu, lorsqu'il y a incendie ou bien lorsqu'il y a explosion. Les stations, je pense que les mesures sécuritaires sont mises pour quand même contrer cela. Alors que de l'autre côté, nous avons ces messieurs-là qui prennent un bidon, qui mettent toute une localité en feu. Mais quelque part, vous allez voir que c'est un avantage aussi pour les politiques qui essaient quand même de se servir de ces causes pour quand même venir au secours des populations, montrer que véritablement, voilà, c'est nous les élus du peuple, voilà, nous sommes en solidarité, nous partageons les peines de nos populations, alors qu'on pouvait partager autrement les peines des populations en voyant déjà les stands stockés là, même si on voulait encourager le poids, on pouvait voir comment faire autrement pour que cela passe. C'est parce qu'il y a incendie, c'est ça qui a amené les députés véritablement à se pencher sur la question pour qu'il n'y ait plus de vie innocente qui soit en mort. Et quand on y voit déjà de près le code pénal par le passé, qui avait prévu certaines choses, mais qui n'avait pas prévu l'applicabilité des choses et de qui devait relever les prérogatives de vouloir faire ces poursuites aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, à travers le code actuel, une véritable concentration se trouve au niveau du garde des Sceaux aujourd'hui. Et que quand on voit la personne de Séverin Kenhomme aujourd'hui, qui, à l'exception de Joseph Diogbounou, est quand même quelqu'un de tout neuf qu'on a mis aujourd'hui sur la scène politique. Il faut reconnaître que Séverin Kenhomme n'avait aucun passage politique par le passé. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui va travailler, qui sera encore plus amer que
Joseph Diogbenou et je pense que... Mais elle n'a pas être amère, elle a juste à faire respecter les textes. Il va faire respecter les textes. Vous avez fait se retourner contre elle-même parce qu'elle est béninoise, elle va aller vivre ou après si elle est amère. Les textes ont toujours été existés au pays, mais nous avons eu toujours un défaut d'application. Et je pense que quand on doit, si on doit véritablement appliquer tous les textes véritablement au pays, je pense que le pays risque d'être invivable parce qu'il y a tellement de dispositions, tellement d'articles. Tout se jouera dans la manière pour le garder sous, pour le regarder sous. Tout se jouera dans la manière de faire passer des tests. Et quand on voit aujourd'hui avec la virilité avec laquelle agit le gouvernement en place actuel, il faut savoir que dès que la Cour constitutionnelle va valider ce code, parce que, comme l'a dit Carlet tout à l'heure, c'est celui qui a porté le code qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Et donc, surprendre, on attend de voir. S'il surprenait, donc c'est un jeu politique alors. S'il surprenait, c'est un jeu politique pour montrer que, bon, maintenant qu'il y a des motos, donc ça veut dire que. Parce que s'il dit que ce code-là est obsolète ou bien il y a des choses qui ne marchent pas. Il peut demander à l'Assemblée de revoir. Il peut demander à l'Assemblée de revoir. Mais il était là quand le code a été adopté. Il y a les sages qui l'accompagnent. Ils peuvent demander simplement à l'Assemblée de revoir un peu les amendements de la minorité, de prendre deux amendements. Quand on voit les images des sept sages serrer la poignée de main au chef de l'État. Ça a toujours été comme ça, mais on a vu des présidents après qui, ou des sages qui ont complètement changé. On a vu Théodore. Vous avez vu Théodore Olocha et salué Yaïboni une fois. On a vu Théodore Olocha saluer Boni Yaï. On a vu Théodore Olocha saluer Patrice Salon hier. On a vu Robert Dessous saluer aussi Patrice Salon hier. Mais quand je vois certains sages saluer Patrice Salon de hier, je me pose la question de savoir si véritablement c'est les sages qui saluent le président de la République ou bien c'est le membre de la Cour constitutionnelle qui salue le président de la République. Parce qu'au-delà de tout, il y a cette casquette. Il n'y a que le président et le président du pays qui fait que il faut le respecter. Au-delà, en dehors du respect, on ne doit pas se théâtraliser ou se folkloriser devant un chef d'État parce qu'on aurait estimé qu'il aurait contribué à sa désignation. Et quand on estime que c'est une récompense. On va voir si vous n'allez pas vous folkloriser ou théâtraliser. Avant de boucler ce dossier, je voudrais rappeler que même si les stations d'essence sont installées, il faudrait procéder à un contrôle systématique à chaque fois. Parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans, il y a eu un grand incendie dans la ville d'Accra au Ghana, mais c'était dû à une station d'essence qui n'avait pas pris le soin de revoir les tanks. Donc il y a eu fissure, il y a eu fuite de l'essence, il y a eu, après la pluie, l'essence a surnagé et l'eau de ruissellement, un fumeur a jeté son mégot et puis c'est tout un quartier qui a été embrasé avec un bilan vraiment désastreux. Donc il faudrait les surveiller aussi pour qu'eux ne viennent pas créer un drame qui soit... Les fumeurs, il faut les surveiller aussi. Oui, pour que ça décuple le danger qu'on est en train de craindre avec les vendeurs d'essence pour fumer. Mais normalement, ils ne doivent pas fumer dans les lieux publics. Ça c'est au moins sûr. Ils doivent fumer dans leur maison. Et mais puis, quand les gens ont une bicoque derrière une station, une zone inhabitée, on ne peut même pas savoir tout ce qui se fume là-bas. On va laisser le président. On va laisser le préfet Tobola détruire tous les bars qui a possibilité. Quand ils sont dans tous leurs états, jeter le mégot, ce n'est qu'un petit réflexe. C'est vrai, c'est un petit réflexe, c'est vrai. Merci à vous, Carles Kitomé Kader, à Chirou. On va essayer de revenir après sur un débat plus approfondi donc, sur ce code pénal. Et également, la rédaction vous proposera donc, des éléments pour vous montrer un tout petit peu le contenu. Le vrai contenu donc de ce code pénal. Merci à vous. C'était le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour, ce frais matin. Larios Adiabueno, bonjour. Bonjour Nadej. Ruth Sodeji est installée pour l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadej. Nous aurons dans un instant donc les prévisions astrologiques avec vous. Foot, tournoi de la solidarité 2018. La compétition a donc démarré hier au stade René Plevenda Kpakpa avec les matchs du groupe B. Il faut préciser que les petits poussés du groupe JSP et ASVO ont tenu tête aux favoris ASPA et Soleil FC. Tout à fait, Nadej. La jeunesse sportive de Kpobe JSP a tenu en échec l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, au thème d'un match à couteau tiré. Les portueurs ont mené par 2 fois et les joueurs de Kpobe sont recollés au score chaque fois. Mais avant de prendre l'avantage sur un bolide de Hakim Halimi à la 78e minute de jeu sur un coup franc de 35 mètres. Mais l'ASPAC réduit à 10 suite à l'expulsion de Gaston Mbedi et consécutivement à un mauvais geste, à un coup donné volontairement à un adversaire, les portugais sont parvenus à égaliser grâce à Nestor Ahove à 8 minutes plus tard. Voici quelques moments forts de la rencontre. Go!
Les supporters des Pobéistes ont également joué le match dans les tribunes. Tout à fait, tout à fait. On le disait hier, on les invitait hier à venir. Ils n'ont pas fait massivement le déplacement, mais les quelques-uns qui ont assisté à la rencontre hier ont donné de la voix. Suivez. Nous allons écouter cette fois-ci le capitaine de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Antonin Kassa, qui fait le match. Il faut dire qu'on n'a pas été concentré derrière, il faut le reconnaître. Si on était concentré, je crois que ce que l'arbitre est en train de siffler, il faut aussi voir dans ces conditions, c'est un peu difficile. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas concentré, c'est ça qui a fait qu'on a pris certains buts. Et une bonne réaction après. Une bonne réaction. Je crois qu'il faut féliciter les uns et les autres, surtout les amis. On va continuer le travail. Je crois que ça va aller. On était en préparation pour le championnat. Voilà que ça ne tient pas. Et on continue les séances. Et je crois que ce que vous avez vu et les observations que vous avez eues à faire, c'est vrai. Nous-mêmes, on essaie de corriger ça. Je crois que nos prochains matchs, vous verrez un nouveau visage de ASPAC, je crois. Notons qu'en première heure, l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO a battu 2-1 et l'équipe de Soleil FC de Cotonou. Il faut dire que la JSP et l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO sont deux des trois clubs promus en Ligue 1 la saison prochaine. Et les équipes de la Poula entrent en lice cet après-midi? Tout à fait, Nadège et AEFC, l'équipe de notre chaîne de télévision rencontre les Buffs FC du Borgou, le champion en titre du Bénin, à 16h. Mais avant, il y a à 14h, il y a les Dragons de l'OME, le club organisateur de ce tournoi qui se veut un cas de mise en jambe avant le démarrage de la saison prochaine, rencontre l'association sportive Oussousaka de Porte-Novo. Donc c'est un derby entre les deux formations. Donc nous allons suivre les derniers réglages, la dernière séance d'entraînement de ESAE et surtout les consignes du coach Richard Bio. Une séance qui va durer à peine 30 à 35 minutes. Je veux que vous mettez du suivi dedans. Vous avez vu le pour jouer. Demain, nous rentrons en compétition à partir de 16h. Je veux que tout et chacun se prenne au sérieux. Vous allez faire juste, vous allez trottiner 2 minutes. Vous venez vous étirer. On va passer par là, à mon café habituel. Et après ça, on vient faire une mise en place. Et on va finir par là. C'est tout. Ok? Avec le match d'hier, on peut comprendre que les petits peuvent toujours bousculer les pronostics et s'imposer très rapidement dans le foot. Au niveau du football, il n'y a plus rien n'est joué d'avance. C'est ça. Tout se décide sur le rétin ouvert. Escrime à présent les nouvelles des écureuils au 18e championnat d'Afrique senior, Tunis 2018. Qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne. Bon, il y a déjà deux éliminations sur les trois ambassadeurs béninois à ces joutes continentales. D'abord, les deux épéistes représentés, qui ont représenté le Bénin à cette édition, ont déjà quitté la compétition. D'abord, Marie-Auxiliatrice. Elle a quitté aussi? Oui, Marie-Auxiliatrice, dès son entrée en lice, a perdu, a été éliminée. Mais on l'imaginait bien parce qu'on avait dit qu'il y avait des spécialistes, une égyptienne et une sénégalaise. Une tunisienne. Donc, effectivement, elle a perdu son premier combat et elle a été éliminée de la compétition. Mais son collègue épéiste, Carlos Amoussou, lui, il a
il a terminé deuxième de son groupe avant d'être éliminé par un Sénégalais et lors de l'étape suivante. Maintenant, aujourd'hui, et entre en lice le seul sabre que le Béninois a à cette 18e championnat d'Afrique d'escrime. Et il s'agit de Eloge Aouchemé. Lui rentre. On lui souhaite beaucoup de courage parce qu'il ne faut pas qu'il se laisse, il ne faut pas que dans sa tête. On le disait déjà que ces trois représentants béninois sont formés ici au Bénin. Et c'est pour la première fois que le Bénin envoie en compétition des escrimeurs formés au pays. Et sur le territoire national. C'est donc juste pour améliorer leurs performances et les habitués à la compétition du haut niveau. Et il faut dire que le président le disait déjà le lundi ici, il y a d'autres compétitions, il y a les Jeux africains en Algérie, il y a la coupe ils ont toutes leurs chances pour championnats. Se refaire. Oui, donc les deux meilleurs issus de ces compétitions, je vais parler du championnat d'Afrique senior et des Jeux africains, vont représenter le Bénin au niveau du championnat du monde. Merci à vous, Larios Adjabouino. On passe à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Amis internautes, bonjour. Cette journée est propice pour des mises au jour de points sur l'essentiel. Évitez les discussions ou leurs, ils vous videront à coup sûr votre énergie. Vous y gagnerez, n'en doutez pas. Méditez, vous ressourcerez positivement. Ainsi prévoit le climat astral de ce jour. Pour chaque signe, en commençant par les amis béliers, cette journée sera agréable si vous arrivez à maîtriser vos dépenses. Vous y gagnerez largement en sérénité. Amis taureaux, trouver des informations ne sera pas un problème aujourd'hui, mais elles ne seront pas du tout fiables. Pour les amis gérants, les dialogues amoureux prennent des tournants insolites. Vous en apprenez longue si vous creusez le dialogue. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. Monter les impôts, c'est votre meilleur atout. Pour les amis cancer, vous n'êtes pas encore en ce jour à l'abri d'une heure de tir ou de malentendure que vous pourriez éviter si vous consentez à examiner de près vos requêtes avant de les formuler. À vous de voir. Chez les rois de la forêt à Lion, restez lucide quant à ce que vous pouvez vraiment obtenir et réaliser si vous ne voulez pas vous retrouver bientôt ou illico en difficulté. Amis vierges, le courant passe moyennement ce jour entre vous et vos interlocuteurs qui ne voient pas trop en ce que vous voulez en venir. Essayez d'être le plus clair possible dans vos intentions et déclarations si vous voulez continuer à faire l'unanimité autour de vous. Amis balance, on pourrait douter de vos engagements et de votre désintéressement si vous agissez trop manifesté en service de vos intérêts propres en ce jour où un flou pas vraiment artistique pourrait perturber la fréquence et surtout vos échanges. Pour les rois de la pique, chers amis scorpions, gare au dérapage si vous cherchez à embrouiller ceux qui vous aiment et obtenir ce que vous désirez à coup sûr et qu'on vous accorderait bien facilement si vous jouez franc jeu avec eux. À présent, les amis sagittaires, pour éviter les erreurs de tir et de vous retrouver incompris de votre entourage, clarifiez bien vos idées et propos avant d'engager des débats qui vous concernent et votre entourage aussi. Amis Capricorne, attention aux erreurs de tir, vous pourrez agir ce jour de manière confuse, voire louche, ce qui aurait pour effet de faire douter votre entourage de vos bonnes intentions. Amis Verseau, trop gourmand ou pas vraiment avec prise, la réalité, tâchez ce jour de réduire un peu voilu plutôt que de vous aventurer sur des terrains glissants et de générer de troubles dans vos relations avec ceux qui vous aiment et vous admirent. Amis poissons, luce, calme et volupté, tel serait le programme idéal que vous devez mettre en place en ce jour. Dommage, les programmes vous hérisent. Votre partenaire vous en serait gré, d'autant que vous y gagnerez à coup sûr plus qu'elle. Ainsi prend fin la prévision de ce jour, chers amis internautes. Ravi de vous avoir servi. Passez une agréable journée. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain.